Même un piéton ne peut pas passer ici. Tu passes ici à l'air là. Il y a du mal qui est capable de faire. Vous voyez. Montrer la réalité à Ouattara quoi. Parce que ce qui est là là. Ah, si tu caches ta plaie, comment le docteur va te soigner? Moi je ne vous comprends pas. Regardez. Ouattara, si Ouattara a donné le nom Pont HKB Abidjé, pourquoi pas un échanger ici à la mémoire de Adjana Mounis ici? Pourquoi pas un rond-point bien situé en haut? Parce que le rond-point est dans le bas-fond. Ceux qui ont déterré sa maman, Jésus est développé par Ouattara. On est en mer, hein? Faut regarder ça. Ah. Parce qu'ils savent ce que tu as fait en haut là-bas. Là. Si tu commençais par ici, là, ils allaient dire que tu es xénophobe. Comme vous êtes trop technocrate, vous avez dit non, il est fait en haut là-bas d'abord. Bon, voilà ça maintenant. Pour nous, on veut commencer. Ils sont en train de faire sortir, blaguer les gens, manipuler les gens pour aller remplir Félicia. Que pas de troisième mandat. Pendant ce temps, le projet est en train de commencer chez nous. Ouattara, vraiment, si tu ne regardes pas, faut pas lire dans la mentalité des gens. Arrange chez toi comme il se doit. Sinon, on ne peut pas aller voir quelqu'un après vous de venir faire quelque chose. Il va dire, notre enfant était là, c'était comment? Regarde la voie là. C'est une voie de 45 mètres. Ça passe derrière quand escadron. Ça tombe si quand des eaux forêts. Les remorques peuvent dévier sans passer par la ville. La ville là, c'est les ruelles. Même si tu mets goudron, tout est gâté. Il n'y a pas route en ville. PF, faut voir. Hein. Si tu ne vois pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous sommes prêts pour vous, 100% calés. Mais quand ta maman va te mettre au monde, il va tout te donner. Mais il y a des jours, tu pleures pour quelque chose. Malgré elle ne peut pas te donner là. Cela n'est pas dit que non, c'est autre chose. Donc, une mère, c'est une mère. Il faut respecter la mémoire de Adjana Mounis ici. Comme il se doit, tu le fais, mais tu ne sais pas ça là, à Oudjini. Voilà pourquoi on met sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu ne vois pas le monument? Elle est déjà prêt tout. Mais regarde, la population vit dans ça là. Rond-point, tu es obligé de prendre sens interdit. Il n'y avait pas route. Si tu n'as pas pris un pirogue pour passer ici. Mais à cause de votre arrivée, depuis hier à 7h, cette machine en mouvement, bénet, tout le monde en train de courir de gauche à droite. Ce que Ouattara a dit de faire pour la population, si vous ne faites pas. Lui, il s'en fout. Il a dit qu'il va venir faire visite familiale. Si c'était visite de l'État, c'est dans ça qu'il ne voit pas. Donc, le temps ne te permet pas, même si tu avais quelque chose en quête pour faire, pour ne pas que Ouattara va venir voir. Dra a cassé maintenant. Ouattara, il faut venir voir. Si tu ne viens pas voir ce qui se passe réellement à Oudjini, ce n'est pas bon. Depuis PPI, la préfecture, avec la résidence, le stade, avec le marché, avec notre université. Il y a trop de problèmes aussi à l'hôpital. On a trop de problèmes ici. Trop. Faut qu'on dise. Voilà. On ne peut pas te cacher ça. En aucun cas. Vous voyez, et je profite, je dis à la population, arrêtons de lancer et jeter les ordures dans les caniveaux. Vous voyez la mosquée, la grande mosquée d'Oudjini. La moitié d'Oudjini, c'est le loulax qui descend dans les caniveaux pour venir dans le bas-fond ici. Ici, on appelle ça Niaoulin. Est-ce que tu vois? Kamatela, Centrale, Libreville, tout l'eau là descend. Si le monument ici, si on jette les ordures dans les caniveaux, regarde ce que ça provoque. Ça vient boucher les caniveaux. Et puis, juste quand il y a une machine qui était garée ici, et puis hier, c'est maintenant il est sorti. C'est le deuxième qui est venu. Donc quand tu regardes les machines là, c'est pas moins de 500 à 400 000 par jour. 7 de ça. Hein? Les bennes qui sont en train de faire le mouvement près de 100 manœuvres. Quelle sûreté peut faire ça ici?
conseil régional ne peut pas, la mairie ne peut pas. Comment siège jeudi, c'est vrai, c'est le maire qui a fait. Tout le monde parle de Cissé Bakongo, mais ce n'est pas le budget de la mairie de Kumasi qui a fait ça là. Tout le monde sait ça. C'est l'État qui s'arrête derrière quelqu'un pour faire quelque chose. Mais moi, je ne comprends pas pour Djenné. Franchement, l'IPR, la mémoire de notre maman vient faire un échange ici, ou bien tu viens faire un rond, c'est-à-dire le rond-point modèle. Franchement dit, prenez ici là en chantier, spécialement, toi-même, tu fais ton plan. Voilà. Tu regardes aujourd'hui la jeunesse qui veut se laisser manipuler par les politiciens, les manipulateurs, les gens qui ne savent pas où ils s'en vont. Vous allez se mettre derrière eux pour aller leur donner le nom aux Félicia. Parce qu'ils ont besoin des sacrifices humains pour convaincre le monde. Si tu ne vas pas au stade pour conseil, il ne faut pas aller pour les meetings là. On vous appelle que c'est meeting. Arriver là-bas, ça va devenir marche. Arriver là-bas, ça va devenir autre chose. Vous allez être gazé. Pour avoir, tu vas avoir problème de poumon. Si l'État ne tire pas sur vous, il y a des gens qui vont tirer sur l'État. L'État va riposter. Ou bien les gens vont tirer sur vous uniquement pour saluer le nom de l'État. Si sacrifice, les sacrifices humains, si ce n'est pas le bœuf ou bien le mouton qui paie, quittez d'en faire des sacrifices humains là. 9 opposants luttent pour remplir, c'est-à-dire stade de 20 000 places. 20 000 divisé par 9, ça ne vaut même pas 3 000 personnes par opposant. Ça et on a confié la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Donc, quitter derrière les revanchards, quoi, ils ne peuvent rien emporter. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Franchement, Diwatra, on ne peut pas te cacher notre problème. Voilà. Quand on va à l'hôpital, il n'y a pas le secret entre le malade et le docteur. Donc, pardon, il faut scienser. Mais on a besoin de beaucoup de choses à venir ici. On n'a pas de route. Voilà. Pour toi, ton passage, deux fois seulement. Quitter à l'aéroport, quitter en ville, aller chez toi, paf, tu es parti. Il y a un travail de 24 heures. Ici, là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Il faut un travail suivi, les professionnels. Même s'ils ont mis le goudron, quand il va pleuvoir, là, on va se plaindre encore. Donc, vraiment, c'est pas bon, Ouattara. Moi, je te demande pardon. Il faut venir, il faut censer. Il faut censer. Voilà, il ne faut pas mettre intermédiaire entre toi et puis au Djenné. Toi-même, là, faut envoyer les experts, les enquêteurs au Djenné. De la manière que tu veux que la ville soit là, si c'est ça ou bien si c'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous, on n'est pas fanatiques. Nous, on veut l'intérêt de la région. On veut l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais j'aime ma région que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas xénophobie. C'est tout le monde qui est comme ça. Moi, je suis un réaliste. Ce qui vient de mon cœur, je dégage. Je vous dis merci, bonne chance. Que Dieu vous protège, monsieur le président. Les 100% sont calés. Mais soyez vigilants pour les trucs-là. Meeting-là. Donc, je vous dis merci.